Bon, premièrement, choyez, choyez. Le père ressuscitera. Le père ressuscitera, mais alors, choyez, choyez. C'est l'idée de le faire ressusciter, l'idée. Hein. L'idée est de faire ressusciter avec la Palestine, avec l'imam, avec le Messie. Voilà, c'est ça l'idée. Le père était à Il est de par l'imam, un imam, et de par le Mehdi, il est un roi, voilà. Dans le corps, le Père est une vérité ou une absence de vérité. C'est soit l'un soit l'autre quand vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Il est en fait sans esprit, même le père, voilà. Quelqu'un, voilà. C'est là en fait la particularité de l'ascendant. L'ascendant, il est quelqu'un sur le descendant. Donc en fait, il est quelqu'un s'il était le descendant aussi. Et en fait, certains d'entre nos pères sont les descendants, voilà. Et pourquoi ils sont les descendants? Ils sont les descendants pour monter après, monter sur la réalité, voilà. Et en fait, quand ils montent sur la réalité, ils ont après la bonne vie, voilà. Et en fait, c'est cette histoire-là que vous ne comprenez pas. Le Père lui-même qui donne la vie a repris après la vie, voilà. Et il l'a reprise en fait en reprenant son droit, voilà. Et quand il reprend son droit, il reprend en fait les qualités en même temps. Et il reprend jeune après jeune, voilà, il reprend l'idée. Mais le père, où est-il? Voilà. Il n'est personne actuellement. On pensait que le père était là, voilà. Parce que nous avions encore sa réalité. Mais le problème est l'idée. Est-ce qu'elle est encore lui? Et est-ce qu'elle est encore avec tous les jeunes, sa réalité? Et en fait, si le père n'était plus là, qu'est-ce qu'il reste de père pour qu'on sache que c'est encore lui? Et le père n'est plus là, en fait. Il était là, il n'est plus là, puis ensuite, il est vivant. Voilà, il est vivant. Et le problème, en fait, ça ressemble, hein, ce que je vous dis, à la maison, ça ressemble à la maison d'Almadi, voilà. On pense que à un moment donné, il dit qu'il n'est plus là, et à un moment donné, il dit qu'il est là. Et en fait, on se souvient que c'est un faux messie aussi, à un moment donné, quand il n'est pas là, voilà. C'est un faux messie. Et en fait, on a toute la descente qui est là-dessus. Sur cette vérité. Mais cette vérité n'est pas libre, voilà. Elle n'est pas libre parce que nous voulons mettre en chemin tout le monde avec cette vérité. Et le problème est une relation avec les Palestiniens. Quel était le père dans le descendant, voilà, et dans le pays de la décision? Le pays de la décision, pour nous, est l'imam. Et c'est tout à chacun que nous faisons le même choix d'avoir le prophète comme le descendant. Et nous ne sommes pas seuls avec le prophète. Nous faisons la tête entière du peuple et aussi le temps venu, la domination du prophète. Et nous ne sommes pas questionnés par notre imam sur la décision. C'est le prophète qui fait la majorité du premier jour où nous levons l'islam pour la retrouver dans le peuple et dans le quartier de la dernière solution. La solution est l'islam. L'islam pour les prophètes.
et pour leurs descendants. Ce midi, en fait, il n'y a pas de preuve pour vous dans ce bas monde, hein. C'est ignorer la compagnie de la science dans le peuple. Cette compagnie est une réalité. Moi est la vérité dans la reprise du peuple. Le prophète est une vérité là où il n'y a plus de vérité. Le corps est une terre qui est sainte. Et la Palestine n'a pas tout dit sur le dernier royaume. Le vice-président est une question pour l'élu. Et la vérité est une solution pour la dernière orientale connaissance, la connaissance des messagers, les messagers dans le califat. Et vous n'avez pas tout dit sur le messager Mehdi. Et vous n'étiez pas le corps qui reprend vie. Vous étiez la tête seulement qui répond lorsqu'on appelle à la ville du bienfait. Et l'imam du bienfait, qui est l'imam El-Mehdi. Voilà. Le rôle des descendants est d'avoir aussi votre estime. Et loue et soit Al-Mahdi pour avoir le guide et aussi la tête enseigné par le prophète, et le prophète est une des reprises du bien guidé. Voleur, voleur, voleur d'avoir monté sur trois têtes du califat. C'est là la parole qui pense le père. Je n'ai pas tout dit sur la médine du califat, le personnage de Mehdi. Et la Palestine, et le Palestinien, votre naissance avec l'imam Malik dans les peuples, de part et de vérité, pour la vérité, je vis, pour la vérité, je monte sur la dernière relation avec Allah. Les yeux du califat. Cette pensée me vient que c'est Muntada, la dernière orientale montée du temple, le mosquée, sur la dernière arrivée du Christ. Le Christ enseigne la Palestine et l'enseigne la vérité dans le prophète. Inspiré par le peuple. Et c'est l'idée du Messie, le messager. L'idée du message et l'imam du Mehdi et le rôle de la Palestine. Moquez-vous de ceux qui ne veulent pas avoir d'intelligence. Ils sont en effet sans deuxième corps. Et je n'ai rien dit sur votre corps. Je pense que vous avez vous-même des choses à dire concernant votre lit sur la dernière communauté. Mais c'est le prophète, cette dernière communauté. C'est dans le nom qu'on voit les pères. Et je n'ai pas tout dit sur votre père, le père de la Mecque. La Mecque sur le retour de l'islam. Et l'islam est compétent. L'islam est la solution. Le slam, la solution. L'islam, la connaissance. Et la résurrection. Le peuple est notre atout pour mener à bien les peuples. Du parti du Père. Le Messie est un Père qui voit longtemps le retour.
et nous sommes l'égalité dans la solution. Nous répondons que nous avons réussi. Le parti sur l'alliance, c'est le fort messager qui est le messager de l'idée de la malice. Je vois une malice. Une malice, oui, je vois une malice sur le père. Je vois une malice. Une malice sur le faux. Le faux messie, une malice. La malice du Christ, je pense. La malice du Christ. C'est, on dirait, une fausse estime. Voilà. Quelqu'un qui ne pouvait pas dire que ce n'était pas lui. Et du coup, quelqu'un qui est orgueilleux, voilà, un orgueilleux, qui ne peut pas en fait repentir son âme. Et là, on a quelque chose qui n'est pas vrai, une fausse divinité, voilà. Parce que les fils ne sont pas là pour obéir toute leur vie. L'accord n'est pas en fait un sens unique dans la direction, voilà. C'est en effet une royauté qui n'est pas aujourd'hui censée nous desservir par les moyens qui sont utilisés pour ne pas que nous réalisions nos œuvres, nos hommes. Nous réalisons nos hommes, nous réalisions ce qui doit être fait. Et la promesse est une réalité dans le fond. Nous sommes habits. Dans le fond, nous sommes amis. Dans le fond, nous sommes les bienfaits. Ah, ni, je t'ai parlé. Les mains beurrées des bienfaits. Et je veux raison que c'est m'a dit. Mais c'est un Christ, ça. C'est un Christ. C'est une personne seulement, une personne de la Palestine. C'est la Palestine qui n'est pas la personne actuellement. Parce que la Palestine ne veut pas le saint palestinien. Et cette idée que la Palestine ne veut pas le saint, elle est parce que le saint n'est pas la Palestine. Et elle ne veut pas alors que ce soit lui le Mehdi. Aide-moi, c'est pas lui le Mehdi. C'est toi alors. La vie entière. C'est toi seul alors. Qu'est-ce que tu dis juste pour toi? Toi qui veux juste être pour vivre, vouloir. Et tu te souviens que ce n'est pas là, que ce Messie veut te voir. Il veut te voir dans un imam, voilà. Il veut te voir dans une religion, voilà. Il dit que tu n'es pas exactement la tête entière. Tu es en fait la tête estimée, la tête estimée, la tête estimée. La tête estimée, comme lorsque tu demandes tes hommes, tu es en fait leur chemin, tu es leur chemin, mais bientôt tu es juste l'espoir, tu es juste l'espoir. Voleur. Mon père, la Palestine. Médecin, ça veut dire j'aime donner de la solution. Je suis le père dans la solution. Je n'ai pas tout dit sur mes dés, la destinée pour les peuples saints. Le prophète est un exemple pour votre prophète. Le prophète au prophète, des saints, peuple, des mâmes, est ami de la Palestine dans le rôle de la pensée du prophète et l'imam de la Palestine.
Le rôle du peuple est le rôle de la paix. Le rôle de la paix est le rôle de l'égal. L'égal du califat. L'égal du califat, on l'attend, votre Messie, si il est notre équitable chemin vers le libérateur du retour. Le retour, elle l'a envoyé dans le dernier peuple. Le rôle de cette pensée était mené le Mahdi dans le royaume de la tête sainte du peuple. La tête sainte est une vérité dans le rôle de la terre sainte. Et le Messie est un rôle dans la terre, mais dit est un rôle dans le peuple, mais si est le rôle de la Palestine. Voilà le chemin vers le libérateur. Et le libérateur de la liberté avec Allah. Mais Allah n'a pas tout dit sur son peuple et sa libération. Le peuple a besoin de vous faire confiance sur le chemin de la libération. Les pères sont en fait des anciens du modèle du califat. Ce sont des explications que nous faisons avec l'alliance. Sur le retour, c'est un peuple qui n'a pas tout dit de sa première religion. La religion est une seule divinité. Elle n'est pas toute la conception. Elle est l'action dans le temps venu où vous devez répondre, Monsieur le peuple palestinien, Monsieur la tête entière du peuple, Monsieur qui donne la vie à la paix, Monsieur qui pense l'imam de la Mecque, Monsieur avec les religions, qu'il n'est pas juste de prendre comme sa vie, qu'il n'est pas juste d'avoir comme soi l'islam et la pensée de le Mehdi. Et le penseur est un penseur assuré du choix. Assuré du choix vers la nouvelle terre qui est sainte, sainte dans la promesse. Mais pour l'imam, c'est un état imam de la pole, de la politique au retour des quartiers, du modèle de l'intelligence sur le retour de la vie en la destinée du peuple et le retour de la tête sur la connaissance. Et le prophète est une vérité dans les messagers du califat, les messagers qui sont l'idée libérée de la politique au protecteur de l'intelligence qui vient redonner la volonté au prophète de ramener les peuples dans la même réalité que le dernier jugement pour le bienfait sur l'idée de la terre promise avec les peuples et les derniers arrivés au royaume, le royaume sur la dernière honnête connaissance. Et vous avez longtemps estimé que notre peuple palestinien est le parti qui est promis, promis à la reprise du quartier, aux jeunes l'héritage du bienfait pour avoir l'action dans la prochaine destinée. Le rôle des jeunes est le rôle d'élancer la pensée pour terminer après les histoires
et monter sur le choix de la reprise d'un nom, la reprise d'un prophète, la reprise d'une sagesse pour la génération, le rôle des naissances et le rôle d'élever le successeur pour un représentant, à la maison pour un réformateur. Dans l'idée de la pensée qui mène le droit chemin, des guides à la vérité, dans la place du jugement, dans la place de la guider pour le royaume où l'aura Annie. Voilà, tout à fait. Je n'ai pas tout compris. J'ai compris que c'était un italien. Je n'ai pas tout compris. J'ai presque compris, tu vois, que c'était l'imam. Presque.